faut sauter d'ici. Un colis. Moi j'ai rien commandé. Oh, c'est quoi? Il y a un ouvre. Regarde, c'est trop beau. Comment on ouvre? Enlever ça. Ah mais ça, c'est mon colis, merci. Mais on peut voir au moins? Non, vous avez pas besoin de savoir. Mais montre-nous, on est curieux. Non, mais j'ai une vie privée. Peut-être c'est même un cadeau pour vous, hein. Encore plus. On est curieux. Bah non, voilà. Bizarre, il nous cache quelque chose. Comment on peut l'obliger à nous montrer, quoi? On peut faire quoi? Moi aussi j'ai envie de regarder. Bah je sais pas. Peut-être quand elle va partir quelque part, on pourra le prendre et regarder. Et après le remettre discrètement. Vas-y, on va faire ça. All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Qu'est-ce que je veux regarder? Ah, il y a une vraie vidéo de Amelia qui est sortie sur sa chaîne. J'ai pas réussi, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Elena est en train de travailler sur son ordinateur et il y a le colis juste à côté. Dany est en train d'attendre que j'appelle Elena pour la distraire. Oui, allô? Allô, allô. Bah pourquoi tu parles? Oh, il est presque tombé. Pourquoi tu m'appelles si tu parles pas? Ah, la boîte elle est presque tombée, hein. Précieux, ouais. Alors... Amel, j'ai pas réussi à avoir le colis. Moi aussi j'ai pas réussi. On a qu'à laisser tomber. Mais non, t'as vu le colis? Il est trop beau. Oh, il y a un truc en or dessus, ça a l'air trop intéressant. Moi, je peux pas abandonner sur ça. Alors, on continue? Ben, je pense que oui, mais il faut trouver d'autres méthodes. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. J'ai pas entendu. Oui? Je pense que c'est Rocky. Ah, peut-être que je devrais regarder la télé, hein. Oh non, c'est moi, je vais me reposer dans mon lit. Ah, peut-être. Ça fait longtemps que je peux regarder la télé en fait. Non, ça. Je vais aller chercher ma montre, j'ai plus de batterie. C'est quoi ce bordel? Pro, le fauteuil il est si retiré. Ah,
c'est bien. Mais... Il est cassé ou quoi? Je vais appeler quelqu'un, j'aurai quelqu'un pour réparer. Mais... Il y a vraiment un problème. Ah, oh, elle m'a fait trop mal, mais ça va pas de faire ça. Daniel, ça va? Oui. J'ai pas trop. Ça va? Oui, mais t'as pas fait mal? Bon, Daniel, j'ai compris, nos techniques ne marchent pas du tout. Donc je pense que vaudrait mieux qu'on briole Elina. Et pour qu'on briole Elina, il nous faut des masques noirs. Des gants noirs. Et bien sûr, faut faire un plan et attendre jusqu'au soir. Il faut aller au magasin. Mais bien sûr. Toi, tu surveilles Elina et moi, je pars au magasin. Et bien sûr, si Elina part quelque part, tu vas. On a rien vu. Je vais appeler Daniel pour qu'il m'ouvre la porte, pour que ça soit plus discret. Oui, Daniel, ouvre-moi la porte parce que sinon ça va faire trop de bruit si je sonne. Ok, j'arrive. Allez, on saute en bas. Merci, voilà ce que j'ai acheté. Viens. Vous étiez où? Nulle part, on était à la piscine. Ah, la piscine sans serviette, sans maillot de bain. Mais ça va proche, hein. Ok. Non, ils sont bizarres, ces vieux-là. Ils sont en train de préparer quelque chose. Je pense pour avoir mon colis, mais loin, jamais. Je vais le cacher. Dans l'air, qu'est-ce que j'ai acheté? Des casquettes. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Pourquoi moi, c'est comme ça? La tienne, pourquoi elle est toute noire? Parce que j'ai pas trouvé deux casquettes noires. Et du coup, ben, j'ai pris ça pour moi et ça pour toi. Du coup, des affaires noires, bien sûr. J'ai trouvé des lampes, torches, pour mettre sur la tête, et bien sûr. Oh, ma main. Oh, je t'ai aveuglée. Encore des affaires noires. Bon, il n'y avait pas de masque, tu vois. Il n'y a pas des magasins exprès pour le cambriolage. Du coup, je me suis dit que le collant, ça va passer. Et aussi, ben, j'ai pas trouvé de gants. J'ai pris que ça. Te moque pas, hein, t'avais qu'à venir avec moi. Ah mais non, c'est moi qui t'ai dit de pas venir. Enfin, c'est compliqué de trouver ça, hein. Comme je te dis, il n'y a pas de magasin exprès pour les cambriolages. Bon, on attend que la nuit tombe et on pourra cambrioler Elina. Elina, tu peux montrer ton colis? Non, t'as toujours pas le droit. Le moment venu, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Allez, pars. En fait, ils savent pas que j'ai une vie privée, c'est pas obligé qu'ils savent ce qu'il y a dans le colis. Daniel, tu peux me donner poivre, s'il te plaît, je le sale. J'ai qui poivre en plus. Et le poivre. T'es même venu manger avec ta boîte? Oui, ça te dérange? Non. Oui, ça me dérange. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu vas savoir quand je voudrai. Parce que moi, j'ai aussi une vie privée. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Quand je veux pas, je veux pas. On a compris qu'il faut qu'on respecte ta vie privée. Donc, c'est déjà le soir. On attend qu'Elina se couche. Mais bon, pour l'instant, on va faire le plan. Donc ça, c'est la maison. Ici, il y a l'entrée. Ici, il y a la chambre de nos parents. Et vu que ben, y a une sortie... Parce qu'en fait, la maison, elle est vitrée. Regardez. Du coup, ben, y a des vitres dans la chambre de mes parents. On pourra sortir par là-bas. On va faire tout le tour. Et juste ici, il y a la chambre d'Elina. Du coup, on va rentrer par sa terrasse. Et on pourra, bien sûr, prendre
enfin le colis. Parce que, comme vous avez pu le constater, Elina, elle prend son colis partout. Même quand on attendait que la nuit tombe, elle est partie à la douche avec son colis. J'étais choquée quand même. Mais si on sort de la porte et on y va dans la terrasse. Mais non, parce qu'il y a des voisins tout autour. Du coup, si on sort par ici, ils vont nous voir habillés en noir et tout. Ils vont dire, bizarre ça. Du coup, vaut mieux faire tout le tour comme ça parce que c'est notre jardin. Et les voisins ne peuvent pas nous voir parce qu'on n'a pas de voisins de ce côté. Non, Daniel, on est tout noir, on est déjà Daniel après. Et moi, on est déjà habillés. On va faire les masques d'abord. Vas-y, lève. On va d'abord faire sur toi et après sur moi. Bon, moi, je vais me lever. Alex, pour ma tête. Wow. Il faut pour s'éteindre au coin. Et hop, là. On va l'enfiler sur ta tête. Ah non. Allez, pas ça. J'espère que ta tête est rentre. Arrête de toucher. Et en plus, on met là, non? Oh. Regardez. Le tout. Ok. Et maintenant, on va faire un... comme ça serait mieux. Attends, faut que ça sort quand même de la pas réussir à s'endormir. Oh. Ok, ça. Je vais mettre les gants. Vas-y. Tiens, les gants. Pourquoi on s'habille comme ça? Les gants. Voilà. Ah, je suis vraiment en voleur là. Ça, c'est pour moi. Non, mais... Arrête de rigoler fort, Elina, elle va pas réussir à s'endormir ici. D'abord, on se prend en photo, bien sûr. Et c'est parti. Il nous faut un sac, bien sûr. Et là. Et on y va. Moi, j'en ai un gros violent. J'ai perdu ma claquette. Et en plus, il y a Elina dans le salon. Je sais pas d'où elle sort. Fais attention. Attends, j'arrive. Ok, je t'attends. J'arrive pas à dormir. Daniel, attention, elle est en train de sortir. Je vais rester ici. Je vais écouter la musique. Dans la maison, il fait si chaud. J'arrive pas à dormir à cause de la chaleur. Daniel, je pense qu'Elina va rester ici pour longtemps. Oui, Amélia, je vois Elina aussi. Elle est toujours avec son colis. Amélia, fais quelque chose parce que je ne peux plus attendre. Elle est sur l'heure. Oui, Daniel, moi aussi j'en ai marre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. J'ose pas me... Oui. J'ose même pas regarder. Attendez, je pense avoir une idée. Je vais lui faire peur. C'est quoi ça?
Mais ça va avoir peur. Je vais rentrer. Alléluia. On fait comment? Elle dort toujours pas. On va attendre. Encore une heure, je pense. En plus, elle est encore sortie avec la boîte. Hein. Bon, Dania, je pense qu'on va encore attendre à la maison parce que tu vois, il fait nuit, ça fait un peu peur. Et je commence à avoir froid. Ok? Vas-y. Mais discret, hein. Il faut encore se cacher parce que si on va comme ça, c'est grave. Ah, c'est fermé! Oui, c'est fermé. Oh non, on est enfermé dehors. On a dû rester ici. Viens, on va sur le canapé. Discret, mais il va où? Allonge-toi. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. C'est bon, ils ont éteint la lumière dans la maison. Je pense que tout le monde est parti se coucher. Donc, c'est bon. Discret aussi, toi. Vous voulez aller voir le cadeau? Attaque-la! Je vous ai pas vu pendant toute la journée, vous préparez quelque chose? T'es partie au magasin toute seule alors que tu vas jamais, même pas pour faire les courses. Là, bizarrement, t'es allée au magasin, je sais pas pour acheter quoi. Toute la journée, vous regardez, vous surveillez mon colis. Daniel qui se cache sous la table, qui essaie de le tirer. Vous pensez que j'ai pas vu? Ouais. Bon, pour vous calmer, c'est juste un cadeau pour maman. De un, on peut pas l'ouvrir parce que c'est emballé. Voilà, même moi je peux pas regarder, je sais juste que c'est un truc cosmétique. Et de deux, il faut respecter la vie privée. Quand je veux pas dire quelque chose, j'ai le droit de pas le dire. Parce que c'est quelque chose de personnel. C'est bon, vous avez bien compris? Oui. C'est un cadeau pour maman, hein. J'ai gâché de l'argent pour rien. Ok? Toutes les tenues comme ça, regarde. Bon, on s'est bien amusé, mais demain matin, on va offrir ce cadeau à maman, tous ensemble. Allez, va aller dormir.